Alors, c'est un mec qui rentre dans un bar avec une autruche, magnifique, et un chat noir. Il s'assoit au bar. Le barman, tout ça un peu bizarre, mais bon, il dit rien. Il s'assoit au bar, hein, il fait bon, qu'est-ce que vous désirez boire? Mais moi, je voudrais un verre de champagne, s'il vous plaît. D'accord. Maman, il regarde l'autruche, mademoiselle, qu'est-ce que vous désirez boire? Et là, l'autruche, elle fait, je voudrais un cocktail avec plein de fruits, plein de fruits, plein de fruits. Et d'accord, pas de problème. Et le chat noir, et vous, le chat noir, qu'est-ce que vous voulez boire? Alors moi, je veux un whisky coca avec deux glaçons et je le veux maintenant. Et tape sur le bar, comme ça, énervé. Ah ben, il faut, oh, chat noir, calme-toi, calme-toi. Il sert à boire et tout. Le mec, il boit, l'autruche, il boit. Le chat noir énervé, il boit. Et puis, le mec demande l'addition. Le barman arrive, il y en a pour 45,36€. Le mec met les mains dans sa poche. Il met l'argent sur le comptoir comme ça, sans regarder. Le compte parfait. Barman, il est étonné, il trouve rien, tu vois. Et ils s'en vont. Lendemain, barman, il est en train d'essuyer ses verres et tout. Il revoit le même mec arriver au bar avec l'autruche et le chat noir. Eh ben alors, bonjour vous trois, c'est plaisir de vous voir et tout. S'asseoir. Monsieur, que désirez-vous boire? Oh, aujourd'hui, je vais prendre un gin tonic. D'accord. L'autruche, moi, je voudrais un cocktail avec plein de fruits, plein de fruits, plein de fruits. D'accord. Hein. Chat noir. Moi, je veux un Johnny Walker noir avec 5 glaçons et je le veux maintenant. Il tape sur le bar comme ça, énervé. Le mec, il regarde, moi, chat noir, calme-toi, il dit, calme-toi. Il les sert et tout, commence à boire. Pareil, le mec demande l'addition. Il y en a pour un peu plus cher, il y en a pour 50€ et 30 centimes, tu vois, et l'addition, comme ça. Le mec, il met dans les mains dans les poches, tac, il met l'argent sur le bar comme ça, compte parfait. Putain, c'est pas possible. Comment il fait ce mec-là? C'est même pas la même addition et tout. Bon. Ils s'en vont. Troisième jour, le mec il se repointe au bar avec l'autruche et le chat noir. Une fois de plus, le barman vient, il demande si vous voulez boire. Une fois, vous savez quoi, je n'ai pas trop envie de boire, je prends un café. Un café, l'autruche, si vous voulez boire. Un cocktail avec beaucoup de fruits, beaucoup de fruits, beaucoup de fruits. D'accord, chat noir. Et... Moi je veux un scotch bien ciré, mais là sans glaçons. Je le veux maintenant. Il tape comme ça sur le bar. Le chat noir, calme-toi, putain, calme-toi. Il sert les coups à boire et tout. Et voilà, une fois de plus, l'autre, l'addition. On met l'addition comme ça. Une fois de plus, l'addition est différente. Le mec met les mains dans les poches, met l'argent sur la table sans regarder, sur le comptoir sans regarder. Le compte parfait. Là, le barman, il fait attends, c'est pas possible, trois fois d'affilée. Tu vois, le mec, il fait écouter une question à vous poser là, parce que ça fait trois jours que vous venez d'affilée. Tous les jours, vous commandez des verres différents. Et à chaque fois, l'addition est différente, évidemment. Et vous mettez les mains dans les poches, vous regardez même pas, il y a toujours le compte parfait. Et comment vous faites? Bah écoutez, je vous explique, il y a deux semaines de ça, j'étais en train de marcher. Et je tape dans une lampe. Je tape dans la lampe, comme ça, je la touche un peu, tac, et là, il y a un génie qui sort. Et il me donne trois vœux. Quand je commence à réfléchir, tu vois, les mecs, ils disent, ouais, je veux des Porsche, je veux une grosse maison, je veux ci, je veux ça. Et moi, je dis, putain. Comment ce serait si dès que j'ai besoin d'acheter quelque chose, j'ai toujours le change parfait dans les poches? Ah, le barman il dit putain, vous êtes intelligent, ça c'est super. Je suis pas si intelligent que ça. Il dit pourquoi? Parce que mes deux autres vœux c'était une belle poulette avec des grandes jambes et une chatte bien énervée.